descendants du roi Béhanzin, toute la dynastie Wegbadjadabome, des invités, des autorités politico-administratives. Tout a commencé par le dépôt de Gerbe Pada dans Ejametogban, en mémoire des Amazones et tous ceux qui ont perdu la vie en voulant défendre le royaume de Dahomey et son roi. Dakpasiakata Béhanzin, porte-parole du comité d'organisation, a pris la parole pour remercier les invités pour le déplacement. Il a fait une immersion dans le passé pour raconter l'histoire de Dimé et a mis l'accent sur l'importance de la présente célébration. Le maire de la ville d'Abomey, respecté dignitaire et tête couronnée, distingués invités à vos rangs respectifs, princes et princesses, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est avec modestie que je prends la parole au nom du comité d'organisation des présentes manifestations pour vous souhaiter à chacun, à tous, la bienvenue à Dimé, lieu chargé d'émouvant histoire. Dale Mikwabo de Dimé. Pour Dada Grélé, les amitiés peuvent être rompues. Les habits peuvent se déchirer. Le parasol peut devenir inutilisable. Tout cela peut ne plus servir à rien. Mais personne ne peut refuser la compagnie de la graine semence à Donegbe Timéon. Enaolo. Initialement appelé Pétékamé, ensuite Adam et Zavi, et enfin, sous l'inspiration de Dada Glélé, en l'honneur et distinction de son vidaho, le prince Kondo. Le sens profond de cette sentence est le suivant. Celui qui ne suivra pas mon fils, le choix que j'ai fait, ne pourra pas vivre. Espace identifié et indiqué en 1875, devenu l'actuel site de l'hôpital départemental du Zou et des collines Porotin. Le palais qui s'y trouve avait été construit en 1878. Couvrant plusieurs hectares, le Vidaho Kondo y avait accueilli en novembre 1889 l'émissaire français Jean Bayol et sa délégation. Le maire d'Abomey, Antoine Djedou, est parti d'une citation du roi Béhanzin, le héros africain, pour marquer sa fierté. Le requin est resté insaisissable et c'est ce qui fait notre fierté. Le souvenir du roi restera dans nos cœurs, a déclaré le maire. Il me plaît, à l'entame de mes propos, à l'occasion des présentes manifestations, de citer une des phrases de l'illustre souverain qui est à l'honneur ce jour. Phrase qu'il a prononcée en prélude à son historique discours d'adieu à ses soldats. Je cite. Ainsi, mon règne bref et mouvementé aura des retentissements impérissables. Fin de citation. Telle une prophétie, cette phrase résume tout ce que des milliers et des milliers d'hommes et de femmes révéleront sur la grandeur de l'illustre roi. Dada Béhanzin Baïdjré, le héros, le nationaliste hors pair, qui a hissé haut l'étendard de notre commune nation, que dis-je, du continent africain tout entier, vous voilà célébré par vos dignes progénitures que nous sommes.
Nous sommes si fiers d'être des vôtres. Reconnaissance de mérite et distinction de professeur Joseph-Adrien Djivo, Jean Plia et Michel Loukou, connus sous le nom de Alec Perraou, pour leur apport dans la vulgarisation des actions du roi Béhanzin à travers des écrits scientifiques, des livres et chansons, ont été faites. Mais tu dans la ville, a imité ton poro, oya ou l'homme. Yé kounsa do mou koumou do minale a fini hao. Nou kouo da gwewi wa kounon mou. Bebe finou bi se se o wa yi moue. Mka kwebi a do kome a khosu. Ndewe non di. Da kome khosu o do do do. Nda siyan kole teme teme boudo. Dada vilain, aïmi ton ben polo, hoé ou l'homme, yé kounsado, nou kounmodo, minale a fili, oui mio. Ndakbe, oui wa kounombo, ben me finou, bise se hawaï, moué. Pour Darcelidi Agodeka, le patriotisme et le nationalisme du roi Béhanzin mérite d'être célébré. On m'appelle Darcelidi Agodeka Béhanzin, à l'état civil, c'est Clotaire Béhanzin. Je suis conseiller à la cour royale du palais de Timé. C'est une cérémonie très importante parce qu'elle s'insère dans la commémoration des 130 ans de la grande rencontre de Goro. La rencontre de Goro, c'est la rencontre au moment de la résistance entre Sa Majesté le roi Béhanzin et le général Alfred Dox. Parce que le roi Béhanzin, le peuple du Danhomé, tous les guerriers se sont opposés à la pénétration coloniale. Et cette guerre a duré 4 ans, a connu 3 étapes fondamentales. La première étape qui a commencé de février à octobre 1890 avec une période de trêve. La deuxième de septembre à la date du 17 novembre 1892, où au bout de 3 ou 4 mois, les Français ont pris le dessus. La période la plus longue de 14 mois est celle de la guerre non conventionnelle. La période du maquis, où Dada Béhanzin, son armée, tous ceux-là se sont repliés dans le grand camp qu'on appelle Atchetchedepe. Le pouvoir est à moi et doit retentir et avoir son efficacité. Il y avait dans ce camp près de 300 personnes, personnes civiles plus militaires. Mais à une période donnée, Sa Majesté le roi Béhanzin a constaté la souffrance de son peuple. Il y a une grande épidémie qui a dévasté la plupart de la population et il a décidé d'aller rencontrer le président français, le président Kadi Sarno. Carnot, et c'est à ce moment qu'il s'est présenté à Goro. Il s'est présenté à Goro avec tous ses attributs royaux, en Namark, avec des femmes, avec parapluie, avec sandales, tout ce qui montre qu'il n'est pas vaincu. Parce que la guerre à l'époque, quand tu fais la guerre contre un souverain que tu n'es pas arrivé à capturer, tu n'es pas arrivé à l'éliminer, ça veut dire que la guerre n'a pas pris fin. Donc fondamentalement, pour ce jour d'héroïsme, nous tous, Dahoméens, Béninois, nous devons reconnaître qu'il faut enseigner le patriotisme et le nationalisme. Et c'est ce sens que nous attribuons à la manifestation de ce jour, qui est à sa 3e édition. Parce que dans tout ce que l'on fait, il faut penser à la génération présente et la génération future. Constant Agbidinokoung l'éleva dans le même sens, en mettant en relief la bravoure et l'héroïsme du roi Béhanzin. Constant Agbidinokoung, journaliste à la retraite. C'est une très grande cérémonie et merci beaucoup. Je sais que vous faites un effort pour couvrir toutes les cérémonies royales. Ça, c'est pas n'importe qui le fait, c'est sincère. Ça fait 130 ans que Dada Béhanzin a rencontré le général Dots à Yego, qui est devenu Goro. C'est un symbolisme. C'est la fête de la résistance, de la bravoure, de l'héroïsme du roi Béhanzin. Vous savez, avant de rencontrer le général Alfred Amédée Dots à Goro, le 25 janvier, j'aime préciser, le lundi 25 janvier, 1894, il a fallu 14 mois de guerre. Dada Béhanzin a livré une guerre farouche pour défendre la terre de ses ancêtres.
une terre qu'on ne monnaie pas, qu'on ne vend pas, qu'on n'attribue pas à n'importe qui. Son père, Dada Glenel, lui avait déjà dit, et si tu faisais cette guerre que tu as voulu, et que tu n'en arrives pas, et qu'on arrive à te dire que tu dois mourir, moi je sais, je peux mourir et défendre la terre de mes ancêtres. Et le roi lui a dit, mon Dieu, je suis content et fier de toi, mon fils. Dada Gwirazi a voulu donner un sens à la portée, je dirais, de la terre de ses ancêtres, du royaume du Daroum. Et il a dit, personne ne m'obligera à ne pas aimer le Daroum. C'est la terre de mes ancêtres, je vais la défendre jusqu'au bout. Et il l'a fait, franchement, il l'a fait. Donc, nous avons dit, le 26 janvier doit devenir, avec nos parents, le président de la République, les autorités politiques, administratives, nous voulons vraiment que cette date devienne une date payée, chômée, fériée, sur toute l'étendue du territoire national. Pourquoi ? Parce que c'est la date du symbolisme, de la bravoure, de la résistance, de l'héroïsme, du courage d'un roi qui aime son peuple, qui aime sa nation, qui aime ses populations, qui aime les Daroumains. Donc, nous avons voulu partager cette date, cette référence, avec tous les Daroumains, tous les Wibadjavi, tous ceux qui sont du Bénin. Et nous avons convié les autorités administratives, politiques, les amis du Daroumain. C'est pourquoi nous avons décoré aujourd'hui 3 personnalités. Alec Miraou, c'est le chant du Zali Rénové, qui a beaucoup fait. C'est lui qui a sorti un CD pour chanter les mérites du roi Glélé, du roi Berzé, de son fils Wanilo. Il y a le professeur Adrien Djivor qui a présenté une thèse d'État sur, je dirais, le Daroumain face à l'invasion coloniale. Et puis le professeur Jean Pliat, un autre très grand professeur, un émérite, qui a écrit beaucoup. Condo le requin, discours d'adieu du roi Berzé. Sans oublier la fétiche, les tresseurs de corps. C'est un très grand enseignant, un grand chercheur, qui, en fin de compte, vous vous rappelez, c'est le grand. Le mérite, le chantre, le berger du, ce que j'appellerais le renouveau chrismatique. C'est très important. Qui a été reconnu le renouveau chrismatique? Et qui a été reconnu par le Vatican, l'Église catholique? Donc, je vous remercie infiniment, infiniment. D'ailleurs, ce n'est pas pour te flatter, mon cher frère. Il va en zoler. Tu fais beaucoup dans ce domaine. Tu fais véhiculer la tradition du Daroumain, le patrimoine du Daroumain, les mémoires du Daroumain, les valeurs intrinsèques du Daroumain. On ne peut pas être mieux que fier de toi. Les groupes folkloriques Wissodi de Dimé et Assandieron de Sonon ont presté durant la cérémonie.
beaucoup de sourds. J'ai tourné en meilleur. Et non, Timon, Pébinois. Maou, Pédoto, Sintamer, Kaïn, Kandagbeo. Comme Tokouni. Oh, Tokouno, nous mettons les tata d'Apolé. Tant qu'il y a Gasso à l'Ipono, tata pour pas dire n'est pas dit. Nous voyons sous ta roumette en l'air, mais tout bébé. Pour y avoir un temps. Le Maou, c'est à tchè, mais pas mes plus gros filles. Bodo awa djije lo menu da miton ta go miton no ho isu miton da da gbanzi on me nkan ton ma so ti ku pere da ye ji fi e lo da ton le joto oni bo nwe ya we ka to le e so akle mi bo na mi kle de bodo mi no pon de u wo jesu o nwe da da gbanzi wa yo ele ze jesu ton u lo mu ku mo nu ku mo nu ku mo bo mu ton ko ro te bo mi na pa susu nu Tada Gbeanzi, bo pasusunu, Tada Gezo, lo asanigbe ho, bo bino fi egbe yo, fide fide, ewe do li, bo do azan eyi 25 janvier yo, mikuna no jodo, ka kome yo, ewe upwede, bo mikado le mina blokme, ve na inu, bo mimra wan yo si, wede wetekbe, me yiton, bo bino fi le mi jogwe yi, Si pas si pour content ça, Dada Glele content à Dada Djam, il est deux bénis. Vos deux bénis, nous t'as glotion à Clobessi. Yéme et Gualo, t'aimes et t'aimes, voyons filet. Mede, mede, boafi, on m'en sort bien avec les hippes d'eau. Ni deux coutons y est. Donc, y est, Dada Glele encore, Dada Glele encore, vous deux coutons, Bernard, vous deux étant. Car étant, vous étant en Gandhi. Oui, mais mes meilleurs, vous avez dit, il ne pas si pour capo pour copie. Mais pour ta faute de la granditon, mais c'est de la grandin, pour ce soir, pour moi, à quoi pas voir pour dire pour quand pour vous faire, le cas de la force, il m'a bouillé, n'a eu ni tête. J'y donnais le propos, mi tonton. Donc, à l'autre, j'ai ton Patrice Talon, mais n'a d'aucuni, pour d'aucun à vous mener, je vois, pour un, et ouais, d'où, des deux hamilés, pour Milo Bougoy. Aïe, j'ai une aïe, ton tègue. Il y a ton rebin, aïe, t'es tombé. Ma belle, ton a tout dit, la couleur n'a tout dit. Bon, il y a nos filles, bon, et pour la blogue, il y a blu, le roi est tout, aïe, on a dit, ma foule, on a dit, dans la dépôt, et la blu, il y a nous, il y a mon fils, et j'ai dit, la blu, et ça n'a pas foutu de mer. Si ça a boilé nous, mer, si ça a boilé nous, mer, le coup de comiton, fille et la dos, nous livrons, mais il y a, oui. Comme il faut notre gamme, oui. Si des filets de Michobo, mis profit, mais n'aribo, et un glace au foudre, mais n'a pas le dit. Attaquez le coach et le port, mais n'a pas le dit. Et on a battu Jenny Miton, c'est bien. Nous mettons les gens, nous mettons le temps, nous mettons le temps.